Sagittaire, les ascendants Sagittaire et à tous ceux à qui cette vidéo concernant ce natif-là, cette énergie-là concernera et en fait concerner beaucoup de monde parce que selon la configuration natale, eh bien, il est possible que la Lune, Mercure, Saturne et voilà, toutes les planètes peuvent passer dans ce signe-là et donc venir résonner pour vous. Voilà, même si votre soleil n'est pas forcément dans ce signe-là, voilà. Donc je le répète, c'est un tirage quand même général que je vais proposer pour ce mois d'octobre concernant ce signe. Et j'invite à ce que chacun et chacune prenne ce qui résonne pour lui, pour elle. Et s'il y a des choses qui ne parlent pas ou qui ne résonnent pas, c'est ok en fait. Ne forcez rien et... voilà, et en principe, après là c'est mon avis vraiment personnel, quand on est attiré vers une vidéo, en principe il y a un message, il y a au moins quelque chose qui va venir faire écho dans ce que nous vivons actuellement dans notre vie. Donc bienvenue à tous, voilà, ceci étant dit, bienvenue aux abonnés, merci encore pour tout, pour tous vos soutiens. Bientôt 10 000 abonnés, je suis hyper... ravie, enchantée, voilà, pleine de gratitude pour toute cette aventure qui a débuté là, depuis presque un an. Et voilà, je pense que je vais proposer prochainement peut-être un live, voilà, un live vidéo. Je suis en train de réfléchir sur le thème, voilà, affaire à suivre. Là, je sors un peu du contexte de la vidéo, mais voilà, ça me vient maintenant, donc peut-être qu'il fallait que je... Voilà. Donc c'est parti, juste je refais un point pour les abonnés, ceux qui ont suivi la continuité du mois de septembre. J'essaie toujours de garder le fil conducteur en gardant, je dirais, les choses clés et les points essentiels qui sont ressortis pour chaque natif du signe, et je prends note, et voilà, et dans la continuité, j'essaye de refaire le point d'où est-ce que nous venons, et ce vers quoi on tend à aller, et on voit à peu près ce qui se joue en ce moment dans notre vie. Voilà, voilà, donc pour revenir sur septembre, d'où est-ce que nous venons, je dis nous, je m'inclus dedans, ma lune est dans ce signe, donc voilà, étant une femme, c'est un signe qui me parle beaucoup. Et donc pour les énergies du mois de septembre, on avait vraiment l'invitation au passage à l'action. À savoir que Jupiter est donc dans ce signe, et donc dans sa maison, et rétrogradé, la fin de sa rétrogradation, excusez-moi, était le 11 août. Donc pour moi, ça m'inspirait un mouvement... qui se remettait en fait en route en lien avec son signe d'opposition, donc le Gémeaux, qui me parle de nos capacités à conscientiser, à réfléchir, avec vraiment cette lucidité aussi de ce vers quoi on tend à aller, ce aussi par quoi nous sommes passés évidemment, et est-ce que l'on a compris ou intégré de façon bénéfique et constructive. Je dis pas forcément que ça a pu être agréable, mais j'ai l'impression quand même que il y a une énergie solaire qui est revenue en fait depuis la fin de la rétrogradation en signe du Sagittaire. Donc voilà, je fais un partage vraiment personnel avant la lecture inspirée pour le mois d'octobre, voilà, parce que ça me fait plaisir de le faire à chaque fois et que je me dis que ça va certainement parler à certains ou certaines d'entre vous aussi. Et c'est comme s'il y avait de la nouveauté. On avait le passage à l'action. Et en fait, ce passage à l'action, mois de septembre, moi, pour moi, comment est-ce que je l'ai vécu? C'est un peu comme si j'avais investi une énergie à aller vers... une initiation que je ne connaissais pas tout à fait l'issue, mais que je savais au fond de moi qu'il fallait que j'aille là-bas, que j'aille expérimenter encore, que j'aille creuser encore ce... Quand je dis creuser, c'est une façon de dire d'aller... pas labourer, parce que ça pourrait avoir des connotations un peu peut-être violentes, mais
comme aller, oui, se plonger au cœur encore de quelque chose, peut-être même d'inconnu en fait. Comme la soif d'une découverte, comme pas la soif d'une découverte de façon vite à tout prix et se remplir, mais vraiment je vois plus comme quelque chose d'initiatique et de léger, voilà, une forme de confiance à travers ce passage à l'action. Alors je sais pas pour chacun d'entre vous dans quel domaine de vie ça va faire écho. Moi ça me parle en fait du rapport à soi, mais aussi du rapport à la place que je m'autorise à avoir auprès aussi des personnes que je rencontre. Voilà. Et tout ce qui peut se passer, voilà, dans tout ça. Et en effet, c'est quelque chose qui est aussi valable à mon sens, de mon focus, là, de mon regard d'aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'ordre professionnel ou de l'activité exercée, des choses que l'on investit, de l'énergie que l'on investit plutôt, parce que des choses c'est trop vague, donc je dirais de l'énergie que l'on investit, qu'on fournit dans le... pas dans un but pour avoir quelque chose, c'est vraiment pour... je sais pas, ça me parle d'une ressource intérieure qu'on a besoin simplement en tant qu'individu de d'échanger, d'harmoniser, de partager, de vivre et de ressentir aussi. Et ce passage à l'action a été fort intense pour ce mois de septembre, à savoir que la vibration du 9 du mois de septembre me parle aussi d'une clôturation, de la fin d'un cycle. On arrive ce mois-ci donc à l'équinoxe aussi de l'automne, donc les choses à laisser partir, à épurer, pour accueillir du neuf et semer du neuf, surtout dans notre vie et dans notre sphère de vie, dans notre bulle d'énergie, dans notre foyer. Ça me parle aussi de notre monde intérieur, de notre monde psychique aussi, de notre monde émotionnel et bien évidemment de notre monde terrestre et tout ce que l'on s'autorise à manifester, à vivre, à donner, à recevoir. Voilà, donc passage à l'action, ça me parle non seulement d'action mais aussi de réceptivité. Les choses que l'on a pu comprendre, les choses qui se sont révélées durant ce mois de septembre. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez mis en place une action sans peut-être vous attendre à un phénomène de réceptivité autant accru ou autant révélateur qui a pu vous éclairer sur quelque chose mais ô combien important. Et voilà, c'est pas toujours un mois facile pour beaucoup d'entre nous pour septembre, parce qu'on arrive à la fin de l'été, les énergies retombent un petit peu, c'est comme la sève des arbres à l'automne, et ben elle retombe, donc voilà, on revient à soi, on revient aussi à l'intériorité, et donc et ben voilà, un regard objectif aussi sur ben comment est-ce que on s'est comporté, quelle situation avons-nous expérimenté, comment avons-nous réagi et quelles ont été nos ressources et nos potentiels présents et qu'avons-nous su en faire. Voilà. Donc ceci étant dit, ben nous allons voir ensemble pour la continuité pour ce mois d'octobre avec l'oracle de Béline. Les portes de l'intuition, voilà, l'oracle des anges gardiens et Picard de l'estime de soi. C'est parti, on y va, bonne écoute et bonne lecture. Alright, allez, c'est parti. Alors, on va voir s'il vous plaît, je vais donner un message. Amour, pour le plus grand bien, le plus grand nombre, pour les natifs du Sagittaire. Concernant le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît. En accord avec le plaisir. Merci. Alors, on a la table qui est ressortie ici et qui est ressortie renversée. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un frein, un blocage ici à la communication, au partage. Alors, est-ce que ça nous parle d'un manque de confiance peut-être
à témoigner ou à partager de qui nous sommes réellement. Et donc, est-ce qu'on retient de, parfois de dire, d'exprimer quelque chose d'authentique en nous? C'est peut-être voilà, un clin d'œil ici qui est ressorti. All right. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages? D'où est-ce que... Ok. Je fais toujours donc les trois premières cartes. D'où est-ce que l'on vient, ce qui s'est déroulé, ce que l'on a laissé derrière soi ou ce que l'on a expérimenté. En tout cas, d'où est-ce que nous venons. Hop là. Voilà, voilà. Les trois suivants sont en lien avec qu'est-ce qui se joue en ce moment. Ok. Et les trois dernières sont en lien avec ce vers quoi nous tendons à aller et l'issue de la situation actuelle. Alors, en dos de deck, ici, nous avons le cloître Saturne. Il y a encore l'idée d'un enfermement. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore exprimé ou qui n'ose peut-être pas encore être accepté. Je ne sais pas. L'idée du cloître, on va voir ce que ça nous dit pour la suite. Si c'est en lien avec une retenue ou si c'est en lien avec une forme de protection aussi que l'on se fait vis-à-vis peut-être du monde extérieur qui nous entoure. Ah bah, vous voyez, la table est ressortie. Hein. Bah, vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Ce de quoi nous venons, ce qui se joue en ce moment. Ok. Ce que nous tendons. Allez. All right. Étonnant. Ah d'accord. Ok. Dans un premier temps, on a eu donc la table. La table ici vient nous dire, je vais essayer de rapprocher. Ça sera... On va faire un bidouillage. On va voir si c'est mieux comme ça. Ouais, ça a l'air un peu mieux. Est-ce qu'on peut... On va laisser comme ça. Alors, ici, on a eu donc la table. La table qui nous parle de l'échange, de la communication, des choses que l'on exprime, le don de soi, l'idée du partage aussi, avec amour, avec légèreté, avec fluidité. On a aussi eu l'étoile de la femme. Donc, là aussi, ça nous parle encore une fois de communication avec l'énergie du 3 sur cette carte. L'énergie de la manifestation créatrice de votre essence. C'est-à-dire que vous avez pris conscience, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, à quel point il était important et à quel point vous avez votre place, en fait, de partager et de donner, en fait, de qui vous êtes, sans jugement. C'est simplement d'accueillir à chaque instant ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes. C'est aussi ça, hein, l'idée de la réceptivité, l'énergie de la femme et du potentiel féminin, c'est vraiment ce que l'on ressent et ce que l'on transmet, en fait, avec confiance et avec amour. Hein. On a vraiment, vraiment, vous voyez, on a vraiment, vraiment... Il y a un bug, il est sorti deux fois de ma bouche, celui-là, mais il avait vraiment besoin d'être affirmé. L'amour hein, qui est présent et manifeste dans la communication, l'envie de transmettre. Il y a quelque chose de comme ça. Je pense aussi que pour certains, vous avez reçu à la table quelque chose de vraiment glorifiant, quelque chose de... Parce que vous voyez, on a ici la renommée. Ça me parle ici vraiment de la trompette qui me parle dans le tarot de Marseille qui fait référence à la carte du jugement, à la lame du jugement où l'ange vient avec la trompette à la bouche. Et au-dessus de la tête de l'homme, de la présence de quelqu'un, la mise à nu en fait, qui sort d'un coffre, quoi, qui sort d'un enfermement, comme une personne qui sortirait même d'un tombeau. Voilà, je vous la montre ici. Vous voyez, on a vraiment l'ange, le messager angélique qui vient apporter bah, quelque chose, un message. Souffler. Donc le souffle, quel est le souffle? Pour moi, c'est la voix du verbe, c'est aussi l'esprit, c'est aussi la communication télépathique, c'est vraiment l'énergie du souffle. Il passe par
la voix éthérique, par la voix du verbe, par ce qui circule aussi, hein, qui émane à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu, j'ai l'impression, une communication d'amour. Vous avez certainement reçu beaucoup d'amour ici pour ce mois de septembre, j'ai l'impression. Et qui vous a initié à accepter, j'ai l'impression, votre féminité, votre sensibilité, ce potentiel intérieur qui, ici, bah, qui se manifeste en fait, qui a jailli d'une façon tellement, je sais pas comment la nommer, tellement, j'y ressens une forme de poésie en fait, une forme de quelque chose d'inattendu, voilà, qui vous a réveillé et révélé à vous-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est tout à votre honneur en plus de ça. Vous voyez, on a donc l'énergie de Jupiter en plus de ça, sur cette carte qui vient nous parler encore une fois de à quelle famille nous appartenons. Et j'ai l'impression qu'au mois de septembre ici, c'est comme s'il y avait eu un cadeau du ciel, quoi. Comme si vous aviez partagé avec, peut-être que c'était des nouvelles personnes, peut-être que ça a été des nouvelles rencontres, peut-être que vous avez osé exprimer aussi une facette de vous-même auprès de votre famille, auprès des gens autour de vous. Mais vous vous êtes rendu compte à quel point il était important de partager, de communiquer et de communier l'amour autour de vous et aussi d'accepter surtout en fait de recevoir cet amour. C'est vraiment ça pour moi le message. C'est vraiment comme ça que je ressens ici le déroulé du mois de septembre, dans la réceptivité d'un amour retrouvé qui vous a éveillé, qui nous a révélé. Comme un quelque chose qui rejaillit, quoi. ça me fait vraiment le lien ici, vous voyez, avec cette mise à nu, voilà. On sort d'un enfermement, on sort d'un tombeau, on sort du transgénérationnel, on s'élève et on s'éveille à la voix de l'ange. C'est vraiment ça le message, hein, pour moi. Grâce à ce partage qu'il y a pu y avoir récemment. Au moment présent, qu'est-ce qu'il se passe? On voit qu'on a les pénates ici. Donc on a une forme de tranquillité, on a une forme de stabilité intérieure, quelque chose, peut-être un cocon, un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise, sécurisant, sécurisé. Voilà, on a aussi l'énergie du 16, hein, qui vient nous parler aussi de la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Il nous parle de l'âme et son Dieu aussi, qui nous parle vraiment de cette reliance à nos réelles aspirations, ce à quoi on aspire. Mais ça peut aussi parler d'une forme de protection, d'enfermement et de peur aussi, hein. Donc dans un premier temps, je l'ai énuméré de façon positive et de l'autre côté, je l'énumère de façon, je dirais, négative. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bien quand je l'énumère de façon positive et ça ne veut pas non forcément dire que c'est mal dans l'énergie négative. C'est pour vraiment aborder deux notions, de deux formes d'énergie qui sont présentes et ce qu'ils peuvent, enfin ce qu'elles peuvent manifester quand elles sont en excès dans notre vie. Eh bien voilà, ça peut être un trop plein de surprotection et donc d'enfermement dans une zone de confort. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi ouais, des barricades, des peurs en fait, qui peuvent aussi nous enfermer dans une restriction, dans une seule et même idée, quelque chose de comme ça. Mais pourtant, il y a une intuition que, je sais pas, ce passage est nécessaire pour beaucoup d'entre vous, de se retrouver, de prendre du recul, hein, sur une situation. Alors, on va voir pour la suite, pour le mois d'octobre, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'accident. Et on a les ennemis, on en a deux ici. On a deux énergies martiales, hein, qui sont présentes. Donc là, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression que, en fait, vous vous retrouvez dans une énergie constructive, où vous pouvez
mettre à bon escient toute cette énergie de créativité, d'intuition, d'inspiration, à construire, à bâtir quelque chose de beau, de pérenne dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un peu des obstacles ou des défis qui vont peut-être venir tenter ici de déconstruire peut-être ce que vous êtes en train de bâtir. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur certaines situations, de vous retrouver peut-être un peu plus seul pour justement accueillir vos capacités d'autonomie, d'indépendance et de créer aussi les choses que vous avez envie dans votre vie. Mais il y a vraiment l'idée d'un foyer retrouvé, il y a une sécurité retrouvée, et le fait qu'il y ait ces deux-là, on a vraiment le serpent et l'accident. C'est comme si, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le fait que vous vous retrouviez vous-même dans votre sphère intime, dans cet équilibre de vie, que il y a autour de vous peut-être de la jalousie qui peuvent se manifester hein, avec l'idée du serpent, mais ça ne me parle pas que de ça, ça me parle aussi peut-être que j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont peut-être reposés sur leur laurier et en fait qu'il est temps là, il y a comme une source d'accident, il y a quelque chose qui vous tombe un peu sur le coin de la hein, voilà, vous m'avez compris, mais je sais pas, il y a j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez soudain qui vient ou qui est venu, hein, pour certains, à quel moment vous allez écouter ce tirage, qui est venu ici vous secouer, quoi. Ça me parle aussi de cette énergie d'action, mais peut-être que cette énergie d'action, elle était mise au service, mais de quelque chose qui alimentait encore une peur ou un égrégore ou quelque chose qui n'était peut-être pas totalement en lien avec votre aspiration vraiment profonde. Et peut-être que si cet enfermement est en lien là avec une peur, alors quelque chose intervient, hein, la foudre divine, la justice divine intervient pour vous réveiller, vous révéler aussi à vous-même, hein, à quelle mesure et ben voilà, vos capacités d'action ont à être mises en avant pour votre plus grand bien. Il est possible qu'il y ait eu un frein à cette énergie de feu aussi. Et là, c'est vraiment comme s'il y avait un forcing, quoi. Enfin, j'ai l'impression que, en fait, pour le mois d'octobre, là, vous êtes obligé de passer à l'action. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie qui est propice à. C'est-à-dire que non seulement il y a la sécurité retrouvée, hein, la capacité émotionnelle, intuitive de votre ressenti qui est bien là, et l'énergie d'action qui est en place pour le mois d'octobre. Vous êtes invité à passer à l'action, à éviter d'écouter toute nuisance extérieure, tout frein néfaste. C'est vraiment ça l'idée de l'accident, c'est-à-dire que si vous laissez manipuler par des notions extérieures qui tentent de vous parasiter ici, parce qu'ici le serpent peut aussi venir tenter de nuire, hein, de venir pomper ou vampiriser vos énergies que vous êtes en train ici d'accueillir en vous et donc de créer aussi, j'ai l'impression, avec vraiment cette énergie, là, vous voyez, du 16 et des pénates, voilà, de retrouver un espace sacré, un espace saint, dans lequel vous vous sentez bien. J'ai l'impression que c'est comme si, vous voyez, vous retrouvez un équilibre de vie, comme pour entrer dans cette strate ici de l'hiver. Donc, on n'est encore qu'en automne, mais voilà, le fait qu'il y ait cet équinoxe d'automne me parle de rééquilibrage, me parle de choses que l'on se dépouille, hein, on balaye les énergies tierces, les énergies néfastes qui nous font pas du bien, mais aussi les liens que nous-mêmes nous avons pu alimenter pour attirer à nous dans notre sphère de vie, bah, toutes ces situations un peu rocambolesques aussi qui peuvent aussi se manifester pour certains et certaines d'entre nous. Voilà, on continue. Je me suis aperçue pile au moment où j'ai tourné ma tête vers l'écran que l'espace était... Voilà, il y avait plus de...
d'espace suffisant. Donc il fallait que je vide un peu la vidéo. Alors, on en était donc à ici. Donc les énergies qui peuvent parfois nous, voilà, nous malmener, nous faire un petit peu partir dans tous les sens. Ici, vous êtes invité clairement à vous protéger. Vous êtes protégé, j'ai l'impression, de tout ça. Et si vous laissez encore du pouvoir à qui que ce soit à l'extérieur de vous dans votre vie, alors il va y avoir des choses ici hein, qui vont vous secouer, hein, vous secouer les puces, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce vers quoi cette situation évolue? Alors ici on a un procès, on a les appuis et on a la vol et les pertes. De quoi ça me parle ici? J'ai l'impression qu'il y a encore une fois, il y a vraiment une énergie de, là, d'action, de colère, une énergie, un élan de feu, l'énergie de Mars qui est là, qui vous invite à passer à l'action, à mettre au service votre énergie créative. C'est aussi la force des guerriers, hein, c'est pas pour écraser les autres, mais c'est surtout pour pas se faire écraser et aussi veiller à protéger son espace vital, hein, ça ne parle de ça. Je dis pas qu'il faut se protéger en permanence, se blinder à tout prix, mais quand même il y a l'idée d'une forteresse ici qui est quand même importante à veiller voilà, à pas laisser de façon intrusive n'importe qui pénétrer comme ça dans vos choix décisionnels, dans votre foyer ou dans, voilà, ça parle de beaucoup de choses, hein, ça parle de sexualité, ça parle de comment, des gens aussi qui peuvent aussi vous tenter de vous dominer, de, voilà, de contrôler vos choix, vos façons de penser, etc. Ici, c'est vraiment, on a comme, j'ai l'impression, il y a une lutte ici, une forme de dualité. Alors, de quoi ça me parle aussi, cette énergie? On a l'énergie du 33, qui nous parle aussi de l'énergie de la communication et de la manifestation créatrice. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un frein à accepter que dans notre vie, ce que l'on peut voir à l'extérieur de nous est un reflet de notre intériorité. Ça peut être aussi quelque chose de difficile à accepter. Vis-à-vis de quoi? De notre responsabilité à accepter, tout simplement, qu'il peut y avoir des turbulences aussi à l'intérieur de nous, des conflits, une forme de dualité. Alors peut-être que l'idée de la dualité, c'est quelque chose que l'on n'accepte pas, et pourtant, c'est quelque chose dans la vie terrestre et bel et bien matérielle, ou que nous expérimentons tous et toutes sur Terre, c'est-à-dire la notion de du bien, du mal, même si c'est des notions que j'aime pas toujours trop aborder pour enfermer les choses, mais en même temps, y a quand même besoin de le nommer, parce que oui, il y a des actions qui sont quand même, je dirais, nuisibles, et des actions qui le sont moins. Voilà, donc c'est un moyen de, voilà, le nommer, et j'ai l'impression qu'ici, il y a comme une dualité intérieure que vous n'acceptez pas. Il y a peut-être encore un, je sais pas de quoi me parle ce procès. Dans un premier temps, ça me parle de ça. Donc est-ce que dans l'idée d'oser se positionner, c'est quelque chose de difficile pour vous, ou au contraire, là ça va être une initiation, hein, j'ai l'impression, à passer par quelque part, voilà, le positionnement. Je dirais pas le conflit, mais parfois le positionnement, ça peut créer des désaccords, ça peut créer des incompréhensions aussi autour de nous. Et quelle que soit l'issue, l'invitation, c'est vraiment, moi je sens la force d'un guerrier, quoi, de ne pas se laisser faire, hein, de rester sur, je dis pas de rester sur ses acquis non plus, mais voilà, il y a quand même quelque chose à défendre selon vos valeurs, selon ce qui est à respecter dans votre vie. Et en tout cas, vous êtes appuyé ici, vous êtes soutenu. Hein. Donc peut-être que pour certains, il y en a qui traverse un changement, peut-être de contrat, peut-être de vie, peut-être de déménagement. Voilà, il va y avoir, j'ai l'impression, le procès nous parle aussi de papiers, d'administratif, hein, des choses avec quoi vous allez avoir affaire avec la justice. Peut-être qu'il y en a qui sont
en lien, voilà, dans des cas de divorce, de rupture. Hein. Ça parle aussi de contrat, de rupture, voilà, contrat professionnel, voilà, avec l'ennemi qui peut aussi nous parler de voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément être facilité dans ce changement opportun. Et pourtant, ce changement est bénéfique. C'est vraiment ça que je ressens. Mais ça va passer par voilà, j'ai envie de dire, ben voilà, des initiations d'action et de voilà, se positionner et défendre aussi ses valeurs, hein, de défendre aussi sa place. Voilà, vous êtes soutenu. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a un appui en lien avec ici le vol et la perte. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des événements où vous allez peut-être vous sentir un peu lésé sur une situation ou que vous pouvez sentir une perte de gain ou quelque chose de comme ça. Mais en fait, ça ne sera pas le cas parce qu'en fait, vous êtes soutenu. On a un appui ici. C'est comme si on avait une lucidité, une confiance, en fait. Ici, la capacité de l'aigle, ça me parle vraiment de ce soutien, cette capacité, cette source intuitive. Ça me parle aussi de la force psychique, en fait. Donc, ça me parle de l'intellect. On a la coupe, hein, au-dessus de la tête, qui nous dit que nous n'avons rien à craindre. Au contraire, que tout est juste et tout se déroule à un temps et à un moment opportun dans notre vie. Donc, plus vous lâchez prise sur les peurs, voilà, tout ce qui vous lie à ce qui nourrit quelque chose de toxique ou de néfaste pour votre bien-être, voilà. Et plus ça va être difficile. J'ai l'impression qu'ici, au contraire, vous allez être beaucoup plus confiant, assuré. Vous allez reprendre confiance en vous. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Et je ressens qu'il y a qu'il y a ces deux énergies entre la capacité à mettre en action les choses pour votre mieux-être dans ce que vous entreprenez en lien avec ce changement et aussi ce lâcher prise et cette lucidité de toute façon que les choses sont telles qu'elles doivent être en fait à chaque instant. Gardez vraiment confiance, je crois que c'est vraiment ça le focus. Gardez confiance sur ce que vous avez intégré durant ce mois de septembre, ce qui est en route et en cours de manifestation dans votre créativité, de vous faire confiance, même si il y a ici des blocages ou des freins à changer, à vous faire confiance, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui va vous initier à changer cette croyance que vous manquez de ressources ou de confiance en vous. Ici, au contraire, vous êtes vraiment initié à changer cette croyance, ce paradigme-là, ou cette énergie, à la mettre au service, justement, d'un alignement, d'une cohérence entre l'énergie d'action et l'énergie de réceptivité, de créativité que vous avez. Parce que vous avez su faire preuve de communion, d'écoute, d'amour et de capacité à donner aussi. Et là, vous êtes soutenu, appuyé à avancer vers votre propre... comment je peux dire ? Votre propre élan créatif. Mais ça parle de beaucoup de choses, ça nous parle de la matérialisation concrète de ce que vous mettez en place dans votre vie, ce vers quoi vous tendez à aller, que ce soit un déménagement, que ce soit vivre avec une personne, que ce soit voilà, dans le relationnel ou le rapport à vous-même. Ça parle de beaucoup de strates, en fait, dans ce tirage. Et ici, vous êtes soutenu, appuyé à finalement à avoir cette confiance en votre capacité lucide et votre discernement. Faites vraiment confiance à ça. Ne vous laissez pas emprisonner par les tentatives psychiques extérieures qui viendraient tenter ici de vous déstabiliser dans ce que vous êtes en train, justement là, d'être en train de bâtir de façon saine et créative avec tout ce que vous avez pu conscientiser jusqu'alors. Vraiment, ne laissez pas qui que ce soit venir détruire ce que vous êtes en train de manifester. C'est vraiment l'invitation. D'accord ?
Vous êtes, de toute façon, il y a une protection ici, c'est l'appui. Cette carte, le fait qu'elle soit sortie, m'indique qu'il y a une protection et peut-être une initiation. Il va peut-être y avoir pour le mois d'octobre des choses qui vont. Ce par quoi vous allez peut-être devoir passer des accords, des désaccords, voilà, des choses comme ça, mais ça va vous initier à vous positionner et vous êtes soutenu à ça. Donc en fait, pour moi, vous ressortez. Il y a quelque chose qui est bénéfique qui ressort de tout ça. Le fait ici que. Alors, on a eu le cloître aussi en dos de deck qui me parle de l'enfermement, mais pas que. Maintenant que. Pour moi, cette lecture-là, de ce que j'en retiens, c'est qu'il y a une forme de protection saine à avoir, d'accord ? On ne laisse pas entrer n'importe qui dans nos pensées, dans nos croyances ou dans nos choix de vie, d'accord ? Et ici, avec l'énergie de Saturne, dans un premier temps, ça me parle de ça, qu'il y a une protection saine à avoir, d'accord ? Ne laissez pas quiconque décider pour vous, d'accord ? Et la deuxième énergie me parle aussi du trop enfermement aussi. Ça peut être ça la deuxième configuration. Je l'énumère parce que ça peut parler à certains. Voilà, le trop enfermé peut nuire aussi à la capacité à partager et à recevoir. D'accord ? Qu'on avait eu juste avant. Mais je ressens plus dans un premier temps qu'il y a l'idée de laisser les barricades quand c'est nécessaire face à certaines personnes. Certaines énergies. Attention, quand on est en train de bâtir quelque chose de périn, il y a aussi des énergies qui vont venir tenter de déconstruire ce que vous faites. D'accord ? Donc prenez bien de la hauteur et pensez aussi à prioriser vos choix respectifs dans votre vie, à savoir dire non, à savoir vous positionner, à ne pas tomber dans la culpabilité. Voilà, veillez bien à. Voilà, il y a des verrous, mais qui sont sains aussi à mettre en œuvre, hein, d'accord ? Donc ici, avec l'énergie de Saturne, c'est peut-être quelque chose que vous apprenez à faire, savoir dire non, comme quelque chose qui est en train aussi de se balayer concernant la surprotection et peut-être le manque de confiance au partage et à la communication avec les autres. Voilà, je l'énumère aussi, parce que ça peut être aussi cette option-là. Vous voyez ce qui vous parle le plus, hein ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dessous ? Vous voyez, on a l'intelligence. Ça me parle vraiment de cette lucidité. On a vraiment l'idée avec Mercure qui nous dit que vous avez intégré avec votre expérience, votre capacité et votre intelligence actuelle de ce qui est normal et sain pour vous dans votre vie et ce qu'il ne l'est pas, d'accord, dans votre sphère de vie. Et en fait, c'est à vous, hein, dans tout ce livre de connaissances que vous avez pu acquérir certaines compétences, que vous pouvez être en lien et en cohérence avec votre alignement intègre dans votre vie, d'accord ? Et ça, de toute façon, ce grand livre qu'est la vie vous l'enseigne. Donc, voilà, vous allez le voir, hein. Je pense que vous allez le comprendre, hein, qu'il y a quelque chose à intégrer concernant des personnes ou des schémas répétitifs où vous avez pu laisser auparavant pénétrer un peu n'importe qui ou n'importe quoi. Ça me parle aussi de ce que vous pensez dans votre état d'esprit. Si vous pensez que vous méritez tel type de situation dans votre vie, bien évidemment, voilà, dans votre vie, il va y avoir des schémas qui vont se manifester pour valider cette croyance. Donc, voilà. Voyez quelles sont les barricades ici qui sont limitantes pour vous et celles qui ont besoin d'être ouvertes en fait, dans le sens où il est temps d'accueillir aussi de la nouveauté et des belles énergies positives et créatrices, des énergies beaucoup plus, des énergies d'amour en fait, des énergies christiques que vous pouvez laisser accueillir dans votre vie en confiance, d'accord ? En lien avec vos capacités d'action, de recevoir. Mais pour ça, ça oblige à changer la croyance limitante que vous avez de vous-même. Ça peut être ça l'enfermement, hein, aussi, hein, la croyance que vous avez de vous-même, de ne pas vous sentir suffisamment capable, à la hauteur, ou illégitime de recevoir quelque chose ou des personnes vraiment saines dans votre vie.
D'accord? Il est peut-être temps ici, voilà, de changer ces anciennes croyances, voilà, que vous avez pu alimenter auparavant, voilà, de vous résigner à tel type de relation, tel type de, même dans le, je parle dans le domaine aussi relationnel et sentimental, voilà. Ici, il y a peut-être un enfermement dans lequel, voilà, il est temps de changer. Ça me parle de ça. Donc, il y a l'intelligence. Il y a quelque chose que vous êtes en train ou que vous avez compris. D'accord? Et en dessous, on a la grâce. Donc, quelque chose qui intervient, encore avec Saturne. Hein. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, j'ai l'impression, pour le mois d'octobre, encore une fois, qui vous aide à sortir d'un schéma en lien avec l'émotionnel, une peur, l'intuition et la découverte, encore une fois. Ouais. Et la tempérance. Ouais. Ici, je pense que c'est vraiment... comme de réintégrer en vous la capacité émotionnelle mature afin de découvrir sous un nouvel angle, beaucoup plus lucide, ce qui est obscur autour de vous et en vous. Ouais. On a les présents, on a un départ vers l'étoile de l'homme. Donc, voyez, c'est ça. Il faut vraiment... Enfin, il faut. Je ne veux pas vous dire ce qu'il y a à faire, évidemment, mais là, ça me dit que, en fait, vous êtes en train de sortir d'un enfermement... Enfin, vous vous protégez pour quelque chose de sain. Parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Vous recevez une information importante en lien avec la barricade qui est nécessaire à avoir et celle qui est à lever quand c'est aussi... sain, d'accord? On a les deux configurations parce que, bah oui, il y a des personnes qui vont être bien intentionnées dans votre vie et il y a des personnes qui sont mal intentionnées dans votre vie. Il y a les deux. Donc, forcément, c'est pour ça que c'est adapté de deux façons. Et l'idée ici qu'on ait l'eau me parle vraiment de accepter vos émotions, accepter aussi de votre ressenti intuitif parce que c'est ça qui vous guide quelque part. C'est ça aussi qui va vous guider sur le chemin ici initiatique de la découverte. D'accord? Vous allez vous révéler à vous-même aussi hein, en fonction de vous, la confiance et la connaissance de vous-même en acceptant ce que vous ressentez, ce que vous vivez. On a l'énergie du 15 aussi dans les émotions qui nous parle de Lucifer, de Phosphoros, du phosphore. C'est vraiment la lanterne, hein, l'idée de l'allumette, le feu. C'est vraiment l'énergie de feu, de naissance et de connaissance, d'accord, que l'on met au service de vos actions dans notre vie avec l'intégration et la connaissance que vous avez voilà, expérimentée et aussi que vous avez donc vécu, expérimenté, mais aussi appris. Voilà. On a donc les présents. Le départ et l'étoile de l'homme. Ici, moi, ça me parle vraiment d'un changement concernant vos capacités de confiance en vous et d'action. D'accord? Donc, faites-vous confiance à ce que vous ressentez, ce que vous matérialisez et ce que vous construisez. Hein, vraiment. Ne laissez pas qui que ce soit détruire ou tenter de la façon intrusive... un peu malsaine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, là, autour. Là. C'est... Le côté ennemi, me... il y a un truc un peu comme ça. Donc, voilà, ce que ça me dit pour ce tirage du mois d'octobre, c'est un peu particulier. Peut-être que c'est les croyances que l'on peut avoir aussi de soi-même hein, qui font que ben, on attire des événements comme ça qui viennent nous inviter à quoi, au final, de façon positive ? À ancrer et à enraciner davantage nos projets. Voilà ce que ça vient de dire. De toute façon, vous êtes soutenu. Hein. Il y a une protection, il y a un soutien, un appui où vous allez pouvoir trouver la force. Hein. On a Mars, de toute façon, c'est l'énergie de création, l'élan d'action, le guerrier, quoi, la force de power, où vous avez suffisamment de courage. Voilà, c'est ça, le courage d'acter et de dire ou d'exprimer les choses quand c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée.
Et vous allez savoir non plus être dans une configuration de soumission. Au contraire, on ne va plus voler vos énergies ou vous vampiriser ou quoi que ce soit. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de force qui revient, qui refait un retour. Il y a une initiation comme ça pour ce mois d'octobre. Hein. Voilà. Capacité d'action, un changement. Ça peut être un déménagement aussi, d'accord ? Voilà, vous mettez votre énergie au service de quelque chose en lien avec quelque chose de plus cohérent pour vous dans votre vie. Voilà de quoi ça me parle. Alors, on va voir que nous dit l'oracle des anges gardiens pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Sagittaire, octobre 2019, s'il vous plaît. Oups là ! Alors, on en a deux. On a la prière. Et on a l'inspiration. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Ça vient vraiment faire le lien ici. Quelles que soient les situations désagréables ou néfastes, il y a un message d'amour derrière chaque événement. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Vous voyez, ça venait finir. De... Je l'ai dit avant que de finir la lecture. Voilà. C'est vraiment ça. Ici, il y a comme une initiation ou quelque chose. Peut-être que c'est déjà en train de se manifester tout ça, hein, mais vous le conscientisez. Pour moi, il y a quelque chose où vous. Il y a quelque chose de simple. J'ai l'impression que vous le voyez tout ça. Il y a quelque chose de fluide, malgré tout. C'est manifesté, mais vous le voyez. C'est pour... Ah mais parce qu'il y a l'appui. Je pense que c'est parce que voilà, on a l'énergie d'air avec ici l'inspiration. Donc c'est pour ça que c'est fluide. Vous le voyez. Vous le voyez, vous le conscientisez très vite, tous ces schémas. Alors on a l'inspiration pour la deuxième, le deuxième message qui nous dit « Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. » L'inspiration, je trouve ça rigolo qu'on ait la coupe au-dessus de la tête aussi de l'aigle. Je vous la remontre. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Magnifique. Voyez ? C'est pour ça aussi peut-être que le clin d'œil ici à faire confiance à vos idées créatrices, ne les mettez pas de côté, innovez, changez vos habitudes. Hein. C'est ça aussi, changer des habitudes, on peut venir nous dire ça. Et veillez à ne pas vous laisser manipuler par les pensées négatives, auto-sabotantes sur voilà, vos capacités, sur voilà, vos envies de créer, de faire, de vivre ou de partager. Voilà, d'accord ? C'est vraiment le message. Orientez cette énergie de façon positive et constructive. Dès que vous sentez qu'il y a un frein ou une peur manifestée, dites-vous que voilà, cette énergie, elle est là pour vous indiquer qu'en fait, derrière cette peur, qu'est-ce que ça cache ? Quelle est l'envie, en fait, derrière cette peur ? Et hop, et propulsez voilà, cette énergie-là de force, de courage, voilà, pour créer, faire quelque chose... de bénéfique pour vous, en tout cas, dans votre vie. D'accord ? Voilà les messages. Alors, on va voir un dernier message avec les portes de l'intuition. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Wouhou ! Les aides. Ah, bah, voyez, ça vient encore nous le redire. Hein. Deux fois. Donc, bah, là, ça nous dit vraiment, ayez confiance, parce que vous êtes vraiment soutenus, hein, là, ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, bah, voilà, j'ai l'impression de me répéter... répéter le message qui venait d'être dit juste avant. Voilà. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, faites-vous confiance. D'accord ? Vraiment. Est-ce qu'il y a un deuxième ? Je ressens qu'il y a un deuxième qui va arriver. Là. Non, j'ai pris le paquet à l'envers, je crois. Oh non. Bon, c'est... Un deuxième message. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Transforme tout. Ici aussi, vous voyez, on a l'invitation à s'ouvrir à soi et à nos potentiels et à nos capacités d'action
quelles que soient les expériences ou ce que l'on a pu emmagasiner dans notre mémoire cérébrale ou mentale, de croire que voilà, on a vécu un échec alors que c'était seulement une expérience. Ici, l'idée, c'est de s'ouvrir. Quelle que soit l'expérience, vous allez découvrir, vous allez développer des capacités, vous allez vous initier, vous allez apprendre. Donc là, l'ouverture, c'est ça, c'est vraiment s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quelles que soient vos capacités actuelles, voilà, avancez, ouvrez-vous. Mais vraiment, allez-y, quoi. Il y a vraiment... Faites-vous confiance. Lancez-vous. C'est vraiment ça que ça me dit. Lancez-vous et faites confiance à votre source d'inspiration du moment. D'accord ? Allez, quelle est l'énergie avec le tarot de Marseille qui vous accompagne pour... Wouhou ! Alors, on a eu la lune et on a l'ermite. Ben voilà, ça vient encore nous dire... Vous voyez, ça vient nous montrer les peurs. Les peurs, encore une fois. Quelles sont les peurs à éclairer, à aller débusquer ? Vous voyez, les freins. L'ermite, c'est ça, c'est le mage, hein, c'est vraiment le pèlerin qui va regarder avec sa lanterne, vraiment dans son passé. Et pourquoi est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qui a pu entraver ou qui peut entraver au jour d'aujourd'hui en lien avec quelque chose du passé? Et ça vient nous parler donc de la lune. C'est ça, des quelque chose de profond, d'enfoui. Et pourtant, il y a cette capacité d'éclaireur, hein, et d'écouter votre intuition. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment la... Ici, il y a besoin d'éclairer une peur pour pouvoir débloquer un potentiel intuitif et créatif ici, hein, qui sommeille. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec une mémoire du passé que vous allez voir, conscientiser et qui va vous permettre comme de... Pouf ! Il y a comme un... quelque chose qui se déverrouille, quoi. Et qui fait jaillir cette capacité intuitive et cette confiance, votre volonté, votre motivation à agir en toute authenticité et en toute... C'est ça, il y a l'énergie du féminin. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, ça aussi je ne l'ai pas précisé, je le précise. Des fois je le précise, mais pas toujours, parce que j'ai l'impression de rabâcher ou de radoter. Mais voilà, l'étoile de la femme, ça parle autant aux hommes qu'aux femmes. Il est possible que, voilà, il y ait des femmes qui ont pu avoir du mal à être dans la réceptivité, hein, au final. Hein. Et donc là, il y a comme une acceptation de réintégrer cette énergie de douceur, d'acceptation, de voilà, d'authenticité, de sensibilité. Pour les hommes, c'est la même chose. Il a pu y avoir aussi une rencontre pour récemment, au mois de septembre, ou qui se fait peut-être début octobre aussi pour certains d'entre vous, d'une femme ou d'une présence à une énergie féminine très forte. Ça peut être un homme, hein, qui est très connecté à son intuition. D'accord ? C'est pas figé à l'étoile d'une femme, c'est une femme. Non, ça peut être, voilà, une rencontre amoureuse qui a pu se faire avec une personne qui est vraiment dans son énergie féminine. Que vous soyez donc, que cette personne soit homme ou femme. Mais ça peut aussi vous parler de vous. D'accord ? Donc il y a tout ça là qui est vraiment en lien avec l'inspiration que cela vous a amené à construire, bâtir quelque chose de stable et de pérenne. Quelque chose doit se déconstruire et va se déconstruire, que vous le vouliez ou non, pour votre plus grand bien, parce que c'est un soutien ici à passer à autre chose pour ouvrir votre cœur davantage, d'accord? Et quels que soient les freins qui vont bloquer ou les choses inconfortables, l'ermite sera là pour vous montrer le chemin, la voie, l'éclairage nécessaire pour voir dans vos profondeurs ce qui sommeillait et qui à présent va se manifester avec plus d'ouverture. Voilà. Voilà pour le résumé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci infiniment. Pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier d'un soin énergétique pour la prochaine nouvelle lune du 29, eh ben, je vous invite à vous inscrire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon contact mail, vous avez mon contact Facebook pro pour pouvoir participer à ce soin collectif à prix libre. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Merci infiniment pour tout. Merci pour vos dons, vos likes, vos témoignages, voilà, vos commentaires, pour tout. Merci infiniment. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.